On se retrouve pour un quatrième et dernier épisode, alors un petit peu long, mais cet épisode va nous permettre de conclure notre aventure. Alors on a pu voir dans l'épisode précédent que la situation est toujours aussi compliquée, on a l'impression que plusieurs réalités se confondent parce qu'on a plusieurs nous qui se retrouvent au même endroit. Même si on a rencontré certains survivants, ils ont l'air de dire qu'ils nous ont vus mourir, ou que nous, l'espèce de petit robot, on a fait en sorte que certains meurent. Tout de suite, le dénouement de notre histoire. Okay, Sam. Voice authenticating. Captain Jim Elias, 199248. Ne lui fais pas confiance. Si je fais refuser, j'ai jamais fait refuser, on va tenter. Don't test me, Sam. Authenticate. Captain Jim Elias. 199248. J'ai l'impression que je vais pas avoir trop le choix, hein, si je veux pouvoir continuer notre histoire. That's more like it. At least you still understand who's in charge. You're no use to me awake then. Well, look at you. Barely any system links activated. Orbital corrections, gathering personal audio logs. You're a nosy bastard, aren't you? You know, this is probably for the best. You're a mess. Pas l'air de beaucoup m'apprécier, hein. Okay, that's two. Three. Should have done this right away. Done. Time to go. Marrant. Ça peut durer longtemps, hein. Quel bordel. Ah, il y en a plus. On peut entrevoir que va peut-être y avoir une fin à ça. Ils sont numérotés. Ah. Bien. Je vois un peu de près, malheureusement. Où est-ce que je suis, là? Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu mieux. Par contre, j'ai fait le tour, je vois pas ce que. Ah, un PC, j'ai pas vu. Message for Josh. Hey, I got it working. I've kept it in my bank so Jim doesn't shut us down, but I have this sphere boost moving almost instantly. It's amazing and very dangerous. A bit of pressure build up and then it propels a few feet super fast and comes to a dead stop. I love it. It could be useful to clear debris or allow the sphere to apply force outside the station. Anyway, the firmware changes are on my laptop if you want to compile and try it out. But yeah, don't tell Jim. Mm-hmm.
Code HVC, High Variation Code, écrit par Tanislav. Peut être associé à un compilateur de script compatible depuis l'ordinateur central de SamOS. Ça va peut-être nous servir plus tard. Ça te perd avec ça. Compilateur, écrit, nanana, ouais. On a eu un petit message comme quoi il y avait... Ouais. Mémoire centrale. Ouais, voilà, il y a des... Non, c'est pas ça que... On va profiter pour faire le tour. Tout ça. Pré-suppression du flash effectué. Nanana, remarque, inutilisé. Bon, c'est du charabia. Tenir le lien système, il ne va pas me le donner. Bouger. Je peux pousser la porte ou pas? Ah, il y a quelque chose. Commande du sas. Non. Le mec qui pousse. Allez bordel. Ah bah dis donc. Ils ont été vaches hein, parce que putain j'ai dû forcer le passage. Bon là c'est ouvert, est-ce que c'est... Oula. Je trouve que c'est un peu emballé là. Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Ouais, non, y'a pas de... Jim. Notre ami Jim. Ça dit, on peut pas... Ventilation. J'en ai vu d'autres, des trucs de ventilation tout à l'heure. Non, j'aurais juré que c'était juste à côté. Je peux passer par le petit trou là. Ah merde, c'est fermé. Je me suis dit, on va pouvoir se faufiler là-dedans. Ouais, non. Ah! Ah non, hey, sérieux, hey. Ils sont quand même chauds, hein, parce que putain, les trois premiers trucs, ça a pas...
ça n'a pas fonctionné. Après, d'un autre côté, j'ai utilisé mon accélération qu'au dernier moment. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Aller par là. Comment ils sont? Oula. Je veux dire, ils sont sympas, ils ont pas ouvert partout, sinon ça serait compliqué. Espèce de bâtard. Ah l'enfoiré, il m'a déconnecté. Oh, salopard. Putain, si je peux l'expédier dans l'espace, lui par contre, je vais pas me gêner. Hein. Ah, il m'a... fermer mon point d'accès. Ah, est-ce qu'on va en avoir un autre? Ah, ils aiment jouer avec nos nerfs. Hein. Ah, on est de retour. This is Captain Jim Elias of Observation. Do you read me? We read you. Please stand by. So good to hear you guys again. This beats a 90-minute delay. Please stand by. What? Do you copy? GC, this is Jim Elias. Authorization 199248. Captain, we copy the authorization. Please stand by. Sam's status? Sam is offline. There is no response or functions running at all. Can you clarify? I don't know. We reset the triangle. Donc j'ai un petit boost en fait de. Nothing came back online. Accélération. It could be power, but whatever repair it needs is way above my head. Please stand by. Okay, I need to talk to Bill. William Stafford, where is he? This is Bill. Bill, it is good to hear your voice. Jim, we're gonna need a moment here. Bill, what's going on? Come on, talk to me. Yeah, I got it, yeah. Listen, Jim, I'm still here, but I need a minute. Sophie here will be her immediate point of contact. Bill, wait. Jim, please stand by. Putain, tout est indisponible. Oula. Je voulais pas remonter si vite. Quelle merdier. Que je suis dans un cul-de-sac où il y a encore une truc d'aération à perforer. Je suis passé à côté. Ah ah ah. Monde de sas. Non, je peux pas là. Pas spécialement fait gaffe. Le truc d'aération là, tout à l'heure. Bingo. Ah, j'étais même passé à côté de l'ordi. Hein. Ok. Non, j'aurais pas le code. D'accord.
J'avais mal maîtrisé le truc du boost, c'est pour ça que j'ai eu du mal tout à l'heure. Oh putain. Sous la grille. On se croirait dans un toboggan de chantier. Ah putain! La question c'est est-ce que c'est notre ami hostile? Inactif, d'accord. Je sais pas si je peux l'assommer. Il m'a vu ou pas? Je voulais lui rentrer dedans. Encore déconnecté. Bon, je crois qu'on n'avait pas terminé notre arbre de... Tous les faire hein, comme ça on aura gagné du temps. On est de retour. Voilà, par contre, stratégiquement, faut pas se refaire déconnecter, sinon on est mal. Hein. Présentation de la station en jouet. Ah, palais d'or. Non. Ah, cette espèce de tourbillon là, de tempête. Je vois pas trop de... gain d'aération. Des fois de changer de sens ça peut aider hein. Déjà eu ce code là tout à l'heure. Josh, son. I was getting into my sleep station and found the note you hid before your shift started. I love you too. I'll see you when I wake up. Ça fricote, ça fricote. Il y a un peu trop d'objets là, ça me... Puis alors le... Si je pouvais avoir une vue plus reculée, ça m'aiderait peut-être. Là j'avoue je suis un petit peu... J'arrive même plus à redéterminer ouais, d'où je viens. Est-ce que je peux revenir en arrière parce que là j'ai... J'ai vraiment l'impression que je... Je trouve pas d'issue. Tu
ça, j'arrive même pas à voir d'où je venais quand je suis arrivé ici. C'est comme si la porte était refermée. Ah, c'est fermé derrière nous. Putain de valise, mais... Sécurisez vos valises, les gars. Mettez ça dans du filet, parce que c'est la merde après. Voilà. Calme. La dernière fois, notre homme était juste... juste là... Oh, heureusement qu'ils l'ont pas fait entre les jeux, sinon... Je crois que j'aurais vomi 10 fois. Refusé, bâtard. Disponible. C'est passé par là. C'est pas là où il y avait un corps à un moment donné. Houston, Sam, we're in the middle of a conversation with Captain Jim Elias. However, from Emma's previous message, we were to believe Jim was dead. I need Jim's crew tracker report, please. Captain Jim Elias has expired. Il est mort. That doesn't make any sense, Sam. We're talking to him right now. Where is he? The captain is located in both RU6 and UC1. Sam, get me a visual feed on Jim. Show me him. Où est-ce que... UC1 et RU... UC1... Souris mon pote, t'es filmé. Jim Elias is located in UC1. He looks okay. Why did it give 2 locations? What was in RU6? Eh ben, va peut-être y avoir sa version morte. Ah, le merdier. Captain Jim Elias is located in RUS-6. Huh. We've received live feed from Sam in RU-6, where you appear to be. No, I'm in UC-1 at comms. What do you mean? Bill, I'm in UC-1, I'm on comms. It must be old data. Where is Emma, Jim? Emma is... She's gone. She's at a comms range to know for sure, but... Stand by. What about Emma, Sam? She hasn't broadcast again. What is her status? Emma Fisher has a low heart rate and is in critical condition. Can you help? Okay, what's her current location, Sam? Je sais rien. Merde, je l'ai perdu. The location of Emma Fisher is currently unknown. Okay, hang tight, Sam. Sam, I'm gonna authorize a command security protocol. I need you to disable command terminals Alpha, Gamma, and Delta. I'm disabling safety protocols to allow you to carry out the command. Listen, we need to terminate this communication for now. I'm
sorry, but I need to get some higher-ups in here. Wait. Bill. I need authorization to detach the RU-6 emergency shuttle. If I gather everything, and detach, then you guys can meet me halfway. Stand by, Jim. Just don't do anything. Ouais, si... I'm gonna die up here if you don't help me. Si se sépare de RU-6, et ben... Jim Elias, authorization 1992. Il y aura plus le corps de son lui-même. Get the station to the marker on track and monitor the event space. You said when we were close, I could leave an RU-6. What changed? You wanted me to get the crew to the marker and leave. I could continue the mission from the ground. I did that. I got them there on time. Look, if you're worried about me going mad on the way home, you're a bit too fucking late for that. Faire le tour de tout ce qu'on a récupéré. Josh, donc. Protocole de retrait du commandement. Fond Sigma. Alors exécuter Alpha Delta Gamma sur le terminal de l'UC02. Là on va retourner. Non. Voilà, UC02, où est-ce que c'est ? UN02 encore. UC, voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, commande d'injection. 224. Là, il y en a un deuxième. Je sais plus s'il n'y en a pas trois. Ah, là c'est bon. Alors, voir les protocoles. On nous a dit Alpha, Beta, Gamma. Non. Alpha, Delta, Gamma. Alpha, Delta, Gamma. Alors, Alpha, c'est D76. Je sais pas. Non. Alpha. Il y a un truc à faire. Ah, psy. Il y a le premier chiffre. Il y a un interrupteur à trouver. Bon, le premier, D76. On pourrait penser au 5. Après, j'hésite entre les boules blanches et les boules noires sur... Est-ce que ça peut... on va tenter, on va voir. Ok. Donc next. Delta. C'est H62.
Est-ce qu'il est le H62 déjà? Il est ici. Je sais pas, je dirais 8 comme ça. Non. C'est peut-être un autre. Alors, est-ce que le carré s'est fermé? Sinon, ça continue par là. Le 9. De toute façon, soit c'est le 8, soit c'est le 9. Ok, bon. Et le dernier, on a dit gamma, c'est E43. Est-ce qu'il est le Titi? E43. Tac, 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 ça part par là. C'est pas bon. Ça peut être le 2, en tout cas, c'est le premier. Bingo. Pas simple celui-là. Data stream is showing that's been carried out successfully. Bien. Good. Cut the line. We can't do this. Bill, wait. We can't provide any emergency authorization at this time. Please stand by. Do it now. Please stand by. Ah, ça recommence. Alors, j'ai vu le 2, j'ai vu le 4, et j'ai vu ça. Next. On en a eu 3 à chaque fois. Hein. Donc là c'est pareil, espèce de pyramide. La canne de golf. Je me suis trouvé des moyens mnémotechniques hein, pour les reconnaître. Et le dernier c'était le même. Et puis il y en avoir jusqu'à 4. Hein. Pyramide. Canne de golf. Ah, ça, c'est strictement identique. Ah bah. Ah, c'est bizarre, on en a pas eu. Ah putain, je me suis gouré. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait deux pyramides différentes. Peut-être pour ça. Ah merde, R. J'ai pas voulu faire rejouer, j'ai voulu. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu là. Bravo Fred. C'est plutôt ça, ça et ça. Je me dis merde, il est con le jeu, il me remet les mêmes. Non, non, c'est moi qui suis couillon. Enfin, le dernier. L'œil. L'X. La pyramide. Donc l'œil. Voilà que la pyramide, j'ai un doute maintenant. Par contre, c'était en dernier, je crois qu'il y avait le. On verra, ça passe. Ouais, ça a marché. Bon là faut pas compter sur moi pour retenir toutes les formes. Tue-le. Ah. Tu es le dernier on dirait. Ah, la fameuse clé à molette. Ah l'enfoiré. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Ouais. Sam, respond. What's going on?
commence à devenir intéressant là. Statue inconnue, là, tu m'étonnes. Très conventionnel hein. Ah là, il y a vraiment une ambiance Silent Hill qui vient de tomber dans la. Putain, sur la station. Le tuer. Accès autorisé. Lancer le décodage. Alors on peut voir qu'il apparaît des chiffres en rouge là. One. Un. Quatre. Four. Zéro. Zero. Quatre. Four. Un. One. J'ai vu un deux. Two. Alors, désactivé par protocole de sécurité, la purge requiert un verrouillage complet du module. Donc, faut d'abord verrouiller. Filtrer. Pour isoler le module. Putain, faut peut-être que je le fasse manuellement plutôt, mais tout à l'heure j'avais pas accès. D'accord. Fermer coutille. Oh merde, les schémas, leur retour, ça faisait longtemps. Donc fermer, c'est L2. La verrouiller, je suppose. Sam, come on, man. Ça va pas lui faire plaisir. Par contre, chez lui, je bougerai mon cul. Hein. Je fais quelque chose, j'ai... parce que là, il va être piégé comme un rat. Ah, ça peut. C'est le même pour verrouiller, ça c'est cool. Commence à prendre le pli. Par contre, j'ai peut-être. Bah écoute, Loulou, hein, c'est bien parti pour. Hein. C'est toi qui a commencé à foutre. C'est toi qui a commencé à foutre la merde. Hein. Fallait y penser avant. Don't do this, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux sortir. Ouais, je crois pas là. On va faire en sorte que tu reviennes pas. Donc tout est verrouillé, ok.
commence à pas être bien, on dirait. Tu verras rien, loulou. Belle. Si on sait ce que je peux m'en rapprocher tout en prenant une sphère. ES11. Ah non. Faudra y aller à la mano. Il y avait pas. Ah oui. On est bien rentré par quelque part. Par contre, et si tu pouvais pousser des grosses fesses que je puisse passer, voilà. Alors, UN34, EAS 1 à 12, bah, je crois que c'est par là. Let's go. Oula, je suis pas super fan de la déco. Merde, par où je passe là? Je crois que j'ai pas. Ah si, j'ai le choix, putain. Sam, where are you? Où es-tu? J'arrive. Oula, oula, oula. Une, deux. Oh putain. J'ai un peu peur, là. Putain, est-ce que... Peut-être revenir en arrière. Prendre l'autre chemin. Pour l'instant, jusqu'au début, depuis le début du jeu, on n'avait pas eu trop finalement à faire des grandes distances. Donc là, c'est vraiment le test. Quoi. Oh là, j'espère que je reviens pas dans le dans la grande salle. Si, bravo Fred. Oh, putain, quelle andouille. Hein. On va aller par là. Encore un cul-de-sac. Je sais pas si je pouvais descendre. Putain, et puis s'il vous plaît, les gars, de la lumière, mettez-nous de la lumière. Ça y est, je suis sur la bonne voie, je pense. Nous sommes là. Il faut qu'on aille. Non, ES5, putain, je suis pas sur le bon truc. Ah, je suis là, t'inquiète. Je mets un peu de temps, mais je vais retrouver mon chemin. Ouais, on est bien. Putain, allez. S6,
la suite. On est là, on avance, on avance. Putain, mais... Ah, je savais qu'il y avait une chicane, mais je voyais pas dans quel sens ça allait être. On remonte. La chicane est faite. Mais pourquoi il me... Putain, il me laisse pas sur cette espèce d'enfoiré. Tac, on doit être là, et après il va falloir tourner à un moment donné. S9. S10. Ah merde, j'ai été trop loin. Go back. À un moment donné, il doit y avoir une ouverture, un virage. Alors pour ce jeu, il faut de la patience et du sens de l'orientation. J'ai même pas fait gaffe si j'étais dans le bon truc. T'es en train de faire n'importe quoi. Ah non, je pense que c'est bon. C'était au bon endroit. Héroïne Emma. I am here. I could feel everything when I was in that airlock. I felt it when Jim was attacking your mainframe. I felt your pain. I know why you brought me here. I know you've been moving the station closer and closer to the storm. I don't know if you realize it or not. It's time. You have to take us there. We'll need Earth's coordinates to broadcast the message. Find that for us, Sam. Trouver les coordonnées de la Terre dans le terminal d'astrophysique. Définir les coordonnées dans la radio depuis Sam et émettre le message. Terminal d'astrophysique. C'est ici. C'est qu'avec ma caméra ça va suffire. C'est tellement bien. C'est la Terre, 8, 38, 24, 32, 14, 12.
This is Emma Fisher, on board observation. We are in orbit around Saturn. We arrived here suddenly, maybe a day ago. We're beginning to make a controlled descent into the storm. The polar storm on Saturn is... It's an answer. I know a lot of this won't make any sense. But Sam and I... We've changed. Sam is capable of so much in so many ways. And I don't know what is happening to me, but... I know I'll never be the same again. Everyone else is dead. Et là qu'on m'a aidé. I've started a broadcast of all black box data from Sam. And I hope you can put this together in a way that makes sense. And that it wasn't all for nothing. We'll broadcast as long as we are able. The alarm. The station is entering Saturn's atmosphere. Trouver le problème. Il y a tout le temps des problèmes. Please repeat your previous request. The alarm. The station is entering Saturn's atmosphere. Station orbit trajectory is unsafe. Ça va être la merde. Recommend immediate orbital adjustment. You need to alter your trajectory again. We can't miss it. Tu m'étonnes. Use guidance and navigation controls in UC-1 when you're ready. Alors, UC1, terminal de guidage. Non. UC1, putain. Guidage et navigation. Bingo. Ça, c'est le vaisseau. Ça, c'est la planète. Et on va se crasher. ouais, alors, Fred, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est de comprendre ce qui se passe. Putain, j'ai l'impression que je suis obligé de travailler la poussée. Arrière. Le bordel. Calculer l'orbite, ouais, ça paraît mieux. Hein. J'ai l'impression que c'est le 2 hein, qui a l'air d'être favorisé. Ok. Là au moins j'ai des chiffres. Bon ben c'est parti, alors je m'étais un petit peu fourvoyé, hein, pas tout, c'est normal. Donc là lui, le pulse arrière, 6. Propulseur avant 23. Tri 72. Le bab 26. Asie 75. Ok, et le petit dernier, 11, NAD.
23, 72, 26, 75. Ah, temps de combustion. Ah merde, j'avais pas fait gaffe, c'est 19 secondes. À chaque fois. Oh là là, le bordel. On y retourne. Allez, j'espère qu'il va pas falloir le faire 36 fois parce que. 3. C'est pas mal. Après, le principe est sympa, je trouve. 3, 4. Nouveau... Ah ouais, putain, mais j'avais pas vu manquer. Par contre, popote à la seconde près, elles sont mignons. 14 secondes. Quoi? The station is under too much stress. We'll lose stability and explode. Explose à l'entrée. Mais j'ai bien tout fait pourtant. The only way we can make it to the storm is to jettison the rest. Faut éjecter le reste de la station. It's all dead weight anyway. Once you do this, there's no going. Bah ouais, de toute façon, là, on repartira jamais, hein. C'est pas vrai, il me parle comme si j'étais un être humain. Access the controls when you're ready. Amorcer la procédure depuis UC2. C'est parti. Bien, on a la procédure à côté. Next. Écrou, amorcer éjection des links. J'ai encore un truc à faire, moi. Bah, commande éjection des links. Comment ça se fait que c'est indisponible alors que c'est ce qu'on me demande? On est là, il y a ULA, ULC et ULB qu'il faut. Il faut les activer.
Tu es là. C'est quoi ça? Éjection. Est-ce qu'il m'avait semblé lire? Avoir des réflexes de grand-père. Hein. That's one. Now, do the same with the other two links. Il faut faire sur les deux autres. Il doit y avoir une plaque similaire. Putain, celle-là par contre, avec l'éclairage qui est pas terrible. On y retourne. Oh. Ah, et pas la peine de me stresser ou de me... Hein. Sans que le bol que j'ai une chance sur deux, je vais pas m'engager dans le bon. Non, c'est bon, putain. Lui est un petit peu mieux visible, mais encore une fois, le... gyrophare est pas... Allez, est-ce qu'on va faire un perfect? Yes. Termine en beauté. Bon, maintenant. Partez pas sans moi, partez pas sans moi. Voilà, lui c'est un... se désolidarise du reste de la station qui va prendre cher, je pense. C'est bien aimant, hein. Je veux voir ton visage. Elle s'accroche. Va secouer là. Entrer dans l'atmosphère. Waouh.
6000 ans plus tard. Je peux pas bouger. Ouh. Eh bien. So heavy. Ah ouais, quand on a été en apesanteur, la gravité... Oh là, t'es sûr de ce que tu fais là? J'ai pris un peu cher, ma vie a l'air d'être cassée. Tu es là, demande de statut. Chaque fois j'attends que ça se débloque tout seul et... Ah non, c'est à moi d'agir. C'est notre module ça. Par contre ouais, l'arc de cercle là il est bizarrement foutu. C'était là avant qu'on arrive. So little of me left now. It's waiting for us, Sam. On nous attend? Qui nous attend? Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nous? On aurait dit Emma Fischer. Un autre module? Oh putain. Nos autres nous sont déjà tombés mais ont eu moins de chance visiblement. Je sais pas si on aura une réponse hein, sur cet aspect quand même du jeu. Très perturbant. Troisième. Emma, there's someone there. C'est toi. It's one of the others. It didn't work for her. À tous les autres, Sam n'ont pas eu l'occasion d'être pilotés par nos soins. Marrant la structure là à droite. Elle... Ah, pas comme de visite. Ah, le fameux. La fameuse forme qu'on voit depuis le début. Others are trying. How many are there? Ah, il y en a eu beaucoup. Hein.
So few will make it. There it is. That's where we're going, Sam. I've seen it. Alors on veut bien que tu nous expliques, hein. This is every attempt coming together. Where we are. It's not one place. It's all of them compressed. It's time. We're ready. Ça fait un peu secte quand même, hein. Oula. Ça, j'ai eu ça, et enfin ça. Ça j'étais pas prêt, je pensais que c'était ça. Viseur, le carré, enfin la pyramide avec le carré blanc. Alors ça, donc on a dit le viseur, le truc avec le carré blanc, la pyramide, et le dernier c'était Zigwigwi. On va le faire, c'est préparé pour le dernier je pense. Ah putain, il y en a d'autres qui apparaissent en bas, on les voyait, je l'avais pas spécialement fait gaffe. Bon, le zigouigoui, ok. Ouais, espèce de flèche au côté. Puis les trois carrés. Donc, ça. La flèche. Et les trois carrés. Les autres personnes ont disparu. Attention qu'on s'envole avec elle. Oh oui putain. It has to work. Là c'est déjà plus agréable que Neptune, hein. On est où ? On est sur Terre, hein ? Pourquoi les deux voix parlent en même temps? Ouais. On a fusionné, non? Oh là. Ça fait comme une fusion dans Dragon Ball. Les deux parlent en même temps. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
J'espère qu'on n'est pas revenu sur Terre pour le bordel. Amène-les. Oh là, ça sent l'invasion. Hein. Bon, bon, non, on saura pas forcément le mot complet de la fin, mais... peut-être mieux pas valu qu'on réussisse. Bon, un jeu original, moi j'ai bien aimé le côté énigme, c'est toujours intéressant de travailler sa logique. Le rythme est peut-être un petit peu lent, je pense que ça plaira pas à tout le monde comme jeu en tout cas à suivre à cause du rythme. Après, bah, un style intéressant, c'est pas forcément mon style de jeu, mais une expérience intéressante. Mais je préfère encore une fois quand même quand ça bouge un peu plus. Voilà, en espérant que ça vous aura quand même plu. Prochain jeu, ce sera Control par les papas de Max Payne.